Salut tout le monde, ça c'est Léponge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fortnite pour ce nouveau patch de combat Fortnite Remix. N'oubliez pas d'ajouter mon code créateur Axel Léponge tout en majuscule, voilà, comme ceci. Voilà, ça prend 2 minutes. Pour commencer dans ce patch de combat, moi j'achète toujours à 950 V-Bucks. Donc on a le style d'actrice du chaos. Alors dans la première page, on a qu'est-ce qu'on a d'actrice du chaos. Donc c'est un écran de chargement. On regarde vite fait. Ça donne ça. Ensuite, on a pioche tonfa pointu. Ok, bon, ça ressemble à un vaisseau. Ensuite, on a revêtement directif chaotique. Ah, ça fait stylé quand même ce l'arme. Bon, après, oui, ça c'est du style quoi. On a le V-Buck, hein, bien sûr, le premier V-Buck. Une danse, mais que je vais pas mettre. Vous savez pourquoi? Traîner à Goulinade. Donc, avec une espèce de pétrole au-dessus du personnage. Ensuite, on a les accessoires de dos. Triple visco réservoir. Pardon, j'ai du mal. J'ai un peu de mal. Donc là, hop, ça donne ça. Ensuite, bien sûr, on a tenue directrice du chaos. Hop, pour l'instant, il est dans le masque. On ne le voit pas. On voit pas son visage. Peut-être on verra dans la prochaine saison. Je sais pas. On verra bien. Ensuite, on a écran de chargement d'électrice spectrale. Donc, c'est ça. Hop. Ensuite, on a encore en blanc. En fait, c'est juste la couleur qui change. Hein. Là, c'est pioche et tonfa spectrale. C'est pareil. Hein. Deuxième V-Buck. Après, on a piste musicale. Benny, Bouncé, Myrda, Buff Tremix. Ensuite, bon, pareil, on a toujours l'accessoire de dos, pareil, mais c'est coloré en blanc cette fois-ci. Et ensuite, on a le planeur. Oh, c'est un petit peu flou là, je ne sais pas si c'est fait exprès. Bestiole spectrale. Bestiole spectrale. Là, ça donne ça. Oh, c'est pas très très joli, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, on a encore des tenues de directrice spectrale en blanc. Dans le troisième page, on a écran de chargement au nuple. Et bon, ça on se rappelle tous de quelle saison. Ensuite, on a pioche queue de billard offensive. Voilà. Même couleur que les skins. Hein. Ensuite, on a revêtement radieux. Ok, c'est stylé hein, quand même. Hein. Et encore un V-Buck. Et là, on a émote parfait. Wow, c'est vraiment cool. Ensuite, on a traîné bille à chute. Ok, bon, les billes, ça suit le personnage. Du coup, ensuite, on a le tenue au nuple. Hein. Voilà. J'aime bien les jaunes comme ça, jaune et noir. C'est super joli, je trouve. Et bien sûr, hein, on a le skin Lego à côté. Ensuite, dans ce quatrième page, on a écran de chargement Sky Incognito. Ok. Cette première fille. Du pas de combat et ensuite on a guitare un gratte griffesque guffest pardon oh c'est guitare hein, guitare mais je sais pas si c'est une pioche ou bah, je pense que c'est juste une guitare c'est pour jouer dans l'autre mode. Ensuite on a accessoire de dos capture photo. Voilà, donc ça donne ça. Je peux pas zoomer plus, malheureusement.
Ensuite, on a. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, on a pioche par défaut. Bon, ces pioches-là, on va dire, on a un petit peu l'habitude, hein, mais bon, il y a beaucoup comme ça, des différentes formes. Voilà. Ensuite, on a revêtement GIF tactique. Comme ça. Mais bon, c'est un peu simple là. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les revêtements en ce moment, c'est un petit peu simple. Mais bon, après, oui, simple, c'est beau aussi. Hein. Ensuite, on a le V-Buck. Et enfin, pour cette page 4, nous avons tenu Sky Incognito. Donc voilà, c'est comme ça, il fait un petit oreille de lapin. C'est un photographe elle aussi, hein. Ça me rappelle un skin d'ailleurs. Ensuite, dans page 5, on a toujours écran de chargement, Sky Nocturne, cette fois-ci. Ensuite, toujours pareil, hein, accessoire de dos, capture aux photos nocturne. Donc, il n'y a que le mot nocturne qui change, je pense. Ensuite, on a traîné ballon guf. Voilà. Voilà, ça donne ça. Le ballon est attaché aux mains. Hop. Ensuite, on a le bebuck. Et là, on a aussi toujours la même pioche. Hein, l'âme des légendes nocturne. Donc, c'est toujours nocturne qui a changé. La couleur aussi. Hein. Ensuite, on a Emote Skate Pelucheux. Voilà, c'est toujours créatif, hein, vraiment. C'est toujours aussi créatif. Et enfin, pour cette page 5, nous avons tenu Sky Nocturne. Ça donne ça. Ah, stylé pour Halloween. Ça, c'est bien. Ça serait bien pour Halloween, ça. L'année prochaine. Et bien sûr, hein, y a aussi le skin de Lego Fortnite. Maintenant, nous sommes sur la page 6. Nous avons écran de chargement, Meowdas. Donc, c'est plus Meowsclé, c'est Meowdas maintenant. Donc, c'est devenu un emblème hein, maintenant, Meows. Hein. J'ai remarqué. Ensuite, nous avons pioche filet doré. Oh! Oui, avec la raie de poisson comme ça, c'est stylé. Ensuite, nous avons V-Buck. Par contre, je vais pas compter le V-Buck. On va compter ensemble après. Hein. Ensuite, revêtement sourire doré. Ah bah, c'est assez simple, mais... Oh non, non, non. Je retire ce que je dis. Waouh, ça transforme au fur et à mesure, quoi. Wow. Donc du coup on a combien de couleurs? On a que deux, ok, d'accord, mais deux c'est déjà pas mal. Donc deux noirs après se transforme en or. Ah c'est bien, c'est vraiment bien fait. Ensuite nous avons basse Némésie doré, voilà. Donc ça c'est ça fait partie de passe de combat pour la musique, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, nous avons accessoires de dos, porte dague félin. Ok, bon, c'est ça. Donc, le sac à dos et une petite souris dedans. Elle dit félin, mais c'est une souris qui est dedans. Ah, donc, ils ont repris hein, la méthode de Midas, hein, transformer tout en or. Et enfin, pour cette page 6, nous avons tenu Miaudas. Il faut s'habituer pour dire. Avant, nous avons Miausclé, maintenant, nous avons Miaudas. Voilà, donc, il se transforme en or. Ok. Maintenant, enfin, nous sommes sur la page 7. Miaudas, nous avons écran de chargement Miaudas de l'ombre. Voilà, donc il y a juste l'ombre qui change, je pense. Oh là 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 là. J'ai failli me faire avoir. Ok, donc là, nous avons le sans V-Buck. Ok. Ensuite, piste musicale 2024-2035. Spy Murda Beats Remix. Ok. Nous avons mis Outdoors dedans.
Ensuite, nous avons Squalos, donc ça nous rappelle le fameux requin. Hein. Là, c'est avec deux couleurs, noir et or. Vraiment, c'est stylé. Vraiment, j'adore. Donc ça, c'est un planeur. Ok, on est d'accord. Ensuite, il y a Vubuck. Et enfin, pour cette page 7, nous avons tenue de Myrdas de l'ombre. Ah, waouh. La transformation, c'est vraiment incroyable. Hein. Ouais, c'est vraiment incroyable, attention. Voilà pour ce pack de combat. Nous allons voir maintenant les récompenses, hein, bien sûr. Là, on a le planeur, bestiole ténébreuse. Oh, en noir, c'est beaucoup plus joli, hein, je trouve. Ouais, en noir, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ensuite, nous avons le bebuck. Après, nous avons piste musicale. Limitless Murda Beats Remix. Voilà. Pour la musique, quoi. Ensuite, nous avons Emote Cœur Chaotique. Voilà, ça donne ça. Et là, nous avons écran de chargement au nuple créé. Voilà, ok. Là, ensuite, nous avons le bebuck. Et maintenant, on a le planeur en pocheur. Vraiment, le style des idées. C'est vraiment, c'est toujours aussi beau. Hein. Moi, je suis toujours, comme je dis à chaque fois, chaque début de saison, je suis toujours époustouflé. Enfin, pour la première page de ce récompense bonus, nous avons tenue d'actrice dégoulinante. Donc là, c'est plus le masque. Nous avons le pétrole carrément sur la tête. Ok, bah tous les corps entiers. Hein. Ça donne ça. Hop. Dans le deuxième page, bah, on va pas voir. Hein, ça va être secret, bien sûr. On va découvrir ça avec le temps. Donc là, nous avons le personnage bonus, bien sûr. Dans écran de chargement Tentina explosif. Donc bon, ces références toujours avec Midas. Hein. Ensuite, nous avons un revêtement plein boom. Voilà. Trois couleurs, hein. Noir, jaune et orange. Voilà. Ensuite, nous avons accessoires de dos. Hein. Pilonneuse dorsale. Voilà. Hop, ça donne ça. Voilà. Ensuite, nous avons icône de bannière, voilà. Voilà, ok. Nous avons pioche, bouquet, bombe. Voilà. Imaginez, vous tapez, ça explose. Et enfin, dans ce deuxième page, tenue explosif, plutôt dans le premier, enfin, nous avons pioche, bouquet, bombe. Voilà. Ah non, je me suis trompé. Ouais, si, c'est ça. Bon, il y a un petit problème là. Il ne veut pas changer. Bon, bref, nous avons le tenu qui va avec. Et pour la deuxième page, nous avons écran de chargement TNTina BDFI. BDFI. Voilà. Ok, donc il y a ça dans l'écran de chargement. Ensuite, nous avons Emote, Amour et Grenade. Et traîner Cœur qui boum. Voilà, ça écrit boum. Et ça envoie une espèce de comment ça s'appelle? De bombe. Ça fait boum et après, bah, ça marque. Kaboom, voilà, hop, c'est stylé quand même. Enfin, nous avons chaussures Air Jordan, un Hike Old Black Toe Remain. Donc là, c'est la, vous savez tous, hein, c'est la promotion actuellement de chez Nike. Franchement, je trouve stylé, hein, c'est joli, mais j'ai jamais aimé les chaussures remontées comme ça.
Moi, je préfère que ça s'arrête la cheville. Je trouve, bon, après, moi, je suis complexe. Hein. J'aime bien les choses simples. Parce que là, je me dis, ouais, je vais prendre trop de temps pour mettre les chaussures. Voilà. Bon, c'est un truc personnel. Nous avons planeur duo propulseur explosif. C'est un planeur. Voilà. Donc, à mon avis, on tient juste à la goupille. Voilà. Et enfin, pour cette Tina explosif, nous avons tenu Tina BDIFié. Voilà, donc c'est en cartoon. Ouais, c'est à la mode aussi, hein, ça, le style cartoon. Bah, en tout cas, moi j'aime bien. Voilà. Donc pour finir, nous allons compter ensemble le nombre de V-Bucks pour savoir combien il y en a. Hop, donc je vais commencer tout au début. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, V-Buck, 9, 10, 10 V-Buck contre 900. Donc là, on a. Ok, bon, c'est quand même. Parce que là, on a que, comment dire, on a que, ah, on a combien de pages déjà? On a 7 plus 2, ça fait 9. Donc, on a que 9 pages. Alors que d'habitude, on a plus que ça. Bon, là, c'est pour finir l'année. On a très bien compris jusqu'au mois de décembre. Voilà. C'est juste pour mettre dans le bain avant l'année prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce bleu pour récompenser cette vidéo, de commenter, de partager. Et toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao!